Alors, si vous nous prenez en cours, tant mieux. Nous sommes en train de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Monsieur Franklin Niamsi est notre premier invité. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Professeur, bonjour. Vous Bonjour. êtes professeur agrégé, vous êtes conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire. Et l'objet de votre visite, c'est le colloque du Club international de conférences de l'Assemblée nationale sur le thème La Côte d'Ivoire avant et après le 11 avril 2011. C'est cela. Donc, ce matin, à partir de 8h30, sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, Son Excellence Guillaume Soro, des intellectuels, des scientifiques venus de quatre continents vont avoir à essayer de répondre avec l'objectivité de la science à la question suivante. Par exemple, comment comprendre que la Côte d'Ivoire soit passée de moins 4,5 de croissance économique avant 2011 à pratiquement 10% aujourd'hui? Comment comprendre que les médias publics ivoiriens soient devenus des ressources d'apaisement et de réconciliation nationale avant le mois d'avril 2011 et aujourd'hui? Comment comprendre que l'image internationale de la diplomatie ivoirienne a été absolument transformée, la Côte d'Ivoire passant d'un État qui était source d'angoisse et d'insécurité pour la plupart de ses représentations consulaires à un État qui aujourd'hui est une vitrine diplomatique internationale? Comment comprendre que la Côte d'Ivoire, qui a été pendant pratiquement 20 ans à la recherche de victoires sportives qui lui étaient tout à fait accessibles en raison du talent de ses sportifs, ait réussi dans cette période particulière de l'après 11 avril 2011 à ramener le trophée continental le plus symbolique de l'Afrique actuelle à ce peuple qui l'attendait depuis longtemps? Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire Alors, entre l'avant oui. 11 avril 2011 et maintenant? Alors, ça m'amène à vous poser la question suivante. Est-ce que vous nous parlez de psychologie ou vous nous parlez d'économie? Tous les aspects du phénomène social, culturel, politique D'accord. ivoirien vont être examinés dans ce colloque. Vous savez que chez l'homme, tout se tient. L'homme n'est pas que corps, Tout à il est fait. aussi âme et esprit. Et donc, il va falloir comprendre comment le corps, l'âme et l'esprit de ce pays ont été transformés ces 3 ou 4 dernières années, mais à partir de données objectives, de statistiques qui ne sont pas forcément celles du gouvernement ou celles de l'opposition, mais de statistiques d'institutions internationales, par exemple, comme la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, le Fonds monétaire international, organisations qui ont tout intérêt à avoir des données les plus fiables possibles parce qu'elles prennent des risques lorsqu'elles disent des choses qui sont éventuellement fausses. L'idée, c'est de savoir, objectivement, par-delà la propagande, qu'est-ce que la science a à dire sur la transformation de la Côte d'Ivoire de ces 4 dernières années. Et il s'agit en réalité, l'intention du président de l'Assemblée nationale en invitant ces scientifiques, c'est de soustraire certaines questions à ce qu'on peut appeler le débat Tout politico-politicien, à fait. pour qu'elles deviennent la base à partir de laquelle chacun peut parler de manière sensée. L'exemple de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il est exclusif ou c'est un cheminement que suivent les pays qui ont des crises et puis qui sont encadrés pour sortir de crise ou bien c'est un cas exceptionnel? La Côte d'Ivoire est un État qui a une histoire assez particulière, d'abord dans l'histoire de l'Afrique francophone, parce que c'est l'État qui s'est organisé à partir du principe concret de l'intégration africaine. La Côte d'Ivoire a construit sa première progression économique sur le brassage de populations Tout à fait. ouest-africaines qui lui ont permis de devenir, en matière de café et cacao, et pour un certain nombre de produits de commerce international, D'accord. la vitrine. Alors l'idée, c'est de savoir comment cet État laboratoire de l'Afrique de l'avenir, comment cet État laboratoire a réussi en 4 années à changer de À changer. visage. Et qu'est-ce qui, malgré les efforts qui manifestement ont été produits pour que ce visage change, qu'est-ce qui persiste, hein? Parce qu'il y a D'accord. quand même cette jeunesse qui est en attente, hein? En tout cas, vous êtes très Etc. éloquent parce que je m'oubliais. C'est-à-dire, j'avais l'impression d'avoir un consultant et de développer le thème. Or, vous venez pour nous dire qu'aujourd'hui même, c'est cela, aujourd'hui 28. Aujourd'hui, à partir de 9h, Oui. à la salle de la Rotonde de l'Assemblée nationale, le colloque ouvre. Il est ouvert au public. Très bien. Donc, que ce soit les leaders d'opinion, les étudiants, les chercheurs, les citoyens qui sont intéressés par la question de l'analyse objective du passage de la Côte d'Ivoire d'avant le 11 avril 2011, c'est quand même une date symbolique, à celle d'après, ils sont les bienvenus. Très bien. Et demain, qu'est-ce qui va se passer?
La suite du colloque, nous avons en réalité 10 interventions, 10 conférences qui seront prononcées dans le cadre de ce colloque et qui vont couvrir justement une analyse de la société ivoirienne, de l'économie ivoirienne, de la politique ivoirienne, mais aussi de la géostratégie de la Côte d'Ivoire avant le 11 avril 2011 et après le 11 avril 2011. Nous voulons soustraire cette date à ce qu'on peut appeler l'instrumentalisation politicienne du discours. Très bien. Et c'est à la salle de la rotonde de l'Assemblée nationale au C'est cela. Vous avez, professeur, des téléphones à nous communiquer? Donc, c'est le 58 38 69 83. Lorsque vous arrivez au palais de l'Assemblée nationale au plateau, vous indiquez que vous venez participer au colloque, vous serez acheminé à très bon port. Très bien. Je vous remercie. Professeur Franklin Nyamsi. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Et je salue la Côte d'Ivoire qui se lève tôt.